Hier, dimanche 28 mars, voici ce qu'a posté sur Twitter Jean-Michel Blanquer. Cette reprise de Pink Floyd nous montre des adultes puis des enfants dénonçant les cours à distance. Blanquer a posté cette vidéo après un rude week-end, le hashtag Blanquer d'émission avait en effet envahi Twitter, et cette vidéo c'était sa manière à lui de répondre à ses détracteurs, on ne fermera pas les écoles et tant pis pour les lycéens de Drancy. Ici au lycée Eugène Delacroix, il y a officiellement une cinquantaine d'élèves contaminés, mais en réalité eh bien, ils seraient bien plus nombreux, à tel point nous a-t-on dit que des parents réfléchiraient à ne plus envoyer leur enfant à l'école par peur des contaminations. Depuis un an, 20 parents d'élèves de cet établissement de Seine-Saint-Denis sont décédés du Covid-19 et les chiffres des contaminations sont aujourd'hui affolants, mais il n'est toujours pas question de suspendre totalement l'accueil des élèves. Cet établissement n'est pas le seul à faire face à une situation intenable. J'ai pu m'entretenir avec un enseignant du primaire, dont l'école est située dans le 13e arrondissement de Paris, et dans laquelle le personnel a choisi de faire valoir son droit de retrait. Ils contestent la décision venue d'en haut, ils étaient censés ouvrir ce lundi alors que 7 enseignants ainsi que la directrice ont été détectés positif au Covid. Une décision qui a été prise par le rectorat, c'est le rectorat qui a dit non, vous restez ouvert. Oui, c'est ça. Rectorat, j'imagine, en liaison avec l'ARS, j'imagine. Il ne faut pas fermer les écoles, c'est la ligne, c'est le dogme, à Paris comme à Drancy, et ce, malgré ces chiffres, malgré les morts. Tenez bon, les vaccins arrivent, on va monter en puissance dans les prochaines semaines. Inutile de reconfiner sérieusement, inutile d'imposer le télétravail aux entreprises récalcitrantes, mais surtout, inutile de fermer les écoles. On se rend compte dans la période actuelle à quel point l'école, c'est fondamental. Et donc c'est pas une variable d'ajustement, ça reste le sujet central si on veut tout simplement l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. Il en va de l'avenir du pays, de la République et même de l'esprit des Lumières tant qu'on y est. Et les écoles ouvertes, ça fait partie de la pensée des Lumières. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Alors commençons par un point, tout le monde a souhaité le plus longtemps possible que les écoles restent ouvertes. Leur fermeture ne ravirait personne et ce n'est évidemment pas la panacée. Ceci dit, la semaine dernière, la question s'est posée à nouveau face à la flambée des contaminations. L'épidémiologiste Arnaud Fontanet a déclaré que selon les dernières études, avoir un collégien ou un lycéen à la maison augmentait le risque de contamination de près de 30%. À la question « faut-il fermer les écoles ?», la question se pose. Et j'en finis, il dit même, l'école est le talon d'Achille assumé du dispositif actuel. Monsieur le ministre, est-ce que vous prenez actuellement un risque et assumé avec la santé des Français ? Non, et je n'aime pas du tout la dernière formule sur le talon d'Achille. Je pense que l'avenir de nos enfants est la chose la plus importante qui soit. Blanquer et Macron ont tranché et l'administration suit. Il faut que les écoles restent ouvertes, à tout prix, quitte à s'arranger avec les protocoles, comme dans cette petite école du 13e dont je vous parlais dans l'intro. Comment dire, les collègues qui avaient été testés négatifs samedi dernier, alors je ne vais pas dire qu'ils ont reçu des pressions de la part de l'institution, c'est pas le cas, mais on leur a dit qu'il aurait été quand même malvenu de se déclarer cas contact. Ah. Voilà. Ouais, je vois. Parce que on avait besoin d'eux pour faire la rentrée lundi. Ils se trompent. Et oui, car les remplaçants manquent, alors l'éducation nationale envoie des pions pour remplacer les enseignants, c'est une des solutions. On apprend dans cet article de Marion Fontaine pour Mediapart que des AES sont catapultés devant des classes sans formation pour animer des classes d'anglais ou de maths au collège. Autre solution pour faire face au manque de personnel, fusionner des classes, ce qui occasionne de nouveaux brassages qui favorisent la circulation du virus. Bref, on est dans le mur et le ministre est dans le déni, comme on peut également le lire sur Mediapart. Alors pour la République et pour les enfants, est-ce qu'il vaut mieux des cours en présentiel avec des profs en sous-effectif dans des classes surchargées, ou est-ce qu'il serait pas mieux de retourner en distanciel? Blanquer a répondu ce dimanche avec cette chanson, et il n'en démordra que quand Macron aura pris une décision à la dernière minute, mardi ou peut-être mercredi, et tout le monde devra s'adapter sans avoir eu le temps de se préparer. J'affirme de manière très forte, et c'est quelque chose qui est de plus en plus entendu sur le plan international, qu'il y a beaucoup plus d'avantages à ce que les enfants aillent à l'école, que d'inconvénients. Et assumer ce risque de plus 0,3, enfin ce risque de plus 30% quand on est parent d'un collégien ou d'un lycéen me paraît
peu de choses à côté de l'importance qu'un enfant ne se déscolarise pas par rapport au collège et au lycée. Mais c'est un risque tout de même. Un risque d'autant plus important que les services hospitaliers sont surchargés. Oui, on a peur du décrochage scolaire, mais on a aussi peur de la contamination. On a peur de transmettre le virus, d'encombrer le système hospitalier ou d'y laisser sa peau. C'est donc un sacré risque que nous fait prendre Jean-Michel Blanquer. Ce qui me fait peur, c'est de ramener le virus chez moi, de contaminer ma famille et qu'il ne soit pas bien après. J'ai pas peur pour moi ou pour mes proches, mais surtout pour les autres, parce que ma famille, elle l'a déjà eu. Et quand je vois dans l'état où était ma mère, je me dis que je comprends l'angoisse des autres. Les parents d'élèves, les profs, les élus locaux, les parlementaires de la Seine-Saint-Denis alertent depuis des semaines et des semaines sur une situation dans les écoles de la Seine-Saint-Denis qui est tout à fait inquiétante. On a des taux d'incidence ramenés à des établissements scolaires, collèges, lycées et enseignements primaires qui sont des taux d'incidence qui sont entre 1000, 1200, 1300, alors que le taux d'incidence dans notre département est à 783, c'est le plus élevé de France, et ramené à certains établissements scolaires, on en est presque au double de taux d'incidence, avec une hécatombe également chez les enseignants. Face à ça, Blanquer nous parle de République, comme d'habitude, et il nous promet des protocoles et des tests. Globalement, l'école de la République, l'école en général, fonctionne en ce moment, et c'est évidemment quelque chose qui doit unir la société française. On en est à combien de tests aujourd'hui? Parce que plein cette semaine, vous avez annoncé plein de chiffres. On devait avoir 300 000 tests cette semaine. Oui. Eh bien, c'est probablement ce que nous aurons ce soir comme bilan. Quel sens ça a de dépister, de tester 300 000 enfants sur les 6, 7, 8 millions d'enfants de l'âge en question? C'est-à-dire pas juste tester un échantillon, il faudrait tester tout le monde, toute cette population d'enfants, si on veut le faire mais sérieusement. C'est même pas un échantillon, c'est 300 000 enfants dans certaines écoles. Mmh. Et on s'aperçoit qu'il y en a un pour 200 qui sont positifs. Et ces classes-là, on va les fermer. Mais l'école d'à côté où on les a pas testées, il y en a aussi un pour 200 qui est positif. Donc c'est complètement ridicule, c'est tout à fait inutile. D'autant plus que tant qu'on n'isole pas, une personne testée peut se retrouver infectée dès le lendemain, comme ce fut le cas dans cette école élémentaire parisienne dont je vous parlais plus tôt. Puisque c'est le cas d'une de nos enseignantes, qui s'est révélée positive le 24 mars, et alors qu'elle avait été testée négative samedi en même temps que nous. Ce qui veut dire que si cette enseignante, en gros, avait été un enfant, demain, elle allait à l'école. Ouais, ouais. C'est le variant anglais pour vous qui a changé vraiment la situation ? Ouais. C'est le variant anglais. Alors, tout le monde n'a pas les résultats du variant, mais tous ceux qui ont une réponse du criblage, c'est le variant anglais. Et alors, quand vous entendez Jean-Michel Blanquer dire « on se contamine pas à l'école, on se contamine chez soi, et pas, il est moins dangereux d'aller à l'école que de faire d'autres activités parce que c'est là-bas qu'on se contamine », enfin, ça vous a fait... Ça nous paraît bien sûr une aberration quand on sait comment fonctionnent les écoles au quotidien aujourd'hui. Et puis qu'il suffit de regarder les chiffres. J'ai consulté encore récemment. Ces chiffres d'enseignants arrêtés et de scolaires contaminés ont chuté brutalement pendant les vacances de février pour remonter brutalement juste après les vacances de février, une semaine après. On a un peu perdu la notion des chiffres, on s'est habitué aux morts, on s'est résolu à voir Macron ou Blanquer faire des paris sur nos vies, à naviguer à vue. Devi Sridhar, professeur de santé publique à l'université d'Édimbourg, en Écosse, dit de la stratégie française. En France, il y a cette idée de préserver l'économie en restant ouvert aussi longtemps que possible. C'est comme rouler en voiture vers un mur et affirmer qu'en freinant le plus tard possible, on gagnera du temps. Vous perdez en France sur tous les tableaux, vous avez les morts et la crise. Que vous en pensez? C'est parfaitement juste, on ne peut pas mieux dire. Sous prétexte de sauver l'économie, on perd et l'économie et la santé. Mais c'est le pari, donc. Un pari qu'on comprend mieux quand on écoute Sophie de Menton. Cette lobbyiste du patronat a un avis sur la fermeture des écoles. Elle approuve cette stratégie, vivre avec le virus. C'est très dangereux pour le pays de fermer les écoles. C'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux pour les parents, c'est dangereux pour les entreprises. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour éradiquer le virus? Je ne suis pas du tout certaine. Je pense que la seule chose à faire, c'est la vaccination. Il faut vivre avec le virus et aller travailler à tout prix. Tant que les écoles gardent nos enfants, on attend le vaccin et on ne cherche plus à faire baisser les courbes. Sauf que ces courbes, ce sont des morts qui s'accumulent. Ces morts sont réparties inégalement sur le territoire, bien sûr.
les populations de Seine-Saint-Denis exercent des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Ces premiers de corvée qui prennent les transports collectifs, qui parfois vivent dans des logements plus petits où il est plus difficile d'isoler un malade au sein de la famille. Ce sont autant de facteurs qui font que le virus frappe ici particulièrement fort. On est également mieux testé, mieux vacciné et mieux soigné dans les Hauts-de-Seine qu'en Seine-Saint-Denis. On sait donc que le prix à payer sera moins fort pour Sophie de Menton que pour ses lycéennes de Drancy. En attendant, Blanquer continue de nous convaincre qu'il a fait le bon choix. Donc on est toujours dans un rapport avantage-inconvénient. On peut toujours souligner les inconvénients. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est de prendre des décisions en mesurant les inconvénients et en mesurant les avantages. Vous verrez quand on fera le bilan de cette crise, quand elle sera finie, c'est-à-dire j'espère le plus tôt possible, on verra à quel point c'était la bonne stratégie, c'est-à-dire il fallait avoir les écoles ouvertes, qu'on est en train de préserver l'avenir de la France. L'année dernière, à l'heure du « quoi qu'il en coûte » français, c'était le pari de Boris Johnson qu'on trouvait odieux. Il promettait l'immunité collective aux Britanniques au prix de nombreux morts. Il assumait que beaucoup de monde allait perdre des proches dans cette histoire. C'est ce à quoi nous ont résigné aujourd'hui Macron et Blanquer. Ils ont fait le pari de la mort. En attendant le vaccin, il faut que ça tourne. L'école, l'économie. Et s'il y a bien une prouesse qu'ils ont accomplie, c'est de nous rendre acceptables des pertes humaines qui atteignent aujourd'hui des proportions qui nous auraient horrifiés il y a un an pour plaire à des gens comme Sophie de Menton. Mais que voulez-vous ? On s'habitue à tout. À lundi prochain.